Bonjour, c'est Critolis, bienvenue dans la Cotienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser le marché et le BTC. On attaque tout de suite, comme d'habitude, par notre hypothèse idiotisme. mais juste avant. Juste avant, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple et c'est gratuit. Likez et partagez cette vidéo, ça aide au référencement. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et notre hypothèse Eliotiste est toujours la même depuis un certain temps. Je la répète toujours pour les nouveaux venus. Nous sommes dans une vague 1, 2, 3, 4, 5. 5 Eliotistes terminés en avril 2021. Donc euh, vague d'impulsion Eliotiste terminée. Nous sommes actuellement dans un retracement en A, B, C classique, B avec extension, C avec extension, et dans ce B, euh, dans ce ABC, ça nous emmène dans une extension de 382 dépassée, en dessous du 618, donc nous sommes dans une zone de rechargement long terme qui se trouve en dessous du 618 d'ordre général. Pour rappel, quand on casse la barre des 50, quand on reprend la théorie de dos, qui dit qu'à partir du moment où on passe en dessous du 0,5, donc dans la partie inférieure, nous sommes dans une zone que l'on appelle, enfin, maintenant qu'on appelle discount et premium, en fait, c'est tout simplement. Une zone de sous-achat dans lequel le prix est intéressant. Donc oui, nous sommes dans une zone de rechargement long terme, Particulièrement, nous sommes en dessous du 618. Et plus on va frôler avec le 726, plus on sera dans une zone de renforcement de position si on est intéressé sur l'achat de ce type d'actifs. C'est toujours des positions à prendre en DCA, bien évidemment. Donc en dollar cost average, ça veut dire tout simplement acheter tout du long sur une certaine somme dans la durée pour lisser son PMA, son prix moyen d'achat. Alors techniquement nous sommes aussi dans une réaccumulation de wick-off dans lequel nous avons un BC, un AR, un ST. Le ST a pris la liquidité du BC. Donc on est derrière euh, sur une prise de liquidité haute, sur lequel on est allé faire un send of weakness avec prise de liquidité de l'AR pour une réaccumulation, c'est-à-dire une réaccumulation forte. Donc réaccumulation wake off est une pattern qui normalement pousse à la hausse pousse à la hausse fortement avec un uptrust et un UTAD. Et derrière, une petite consolidation avant de repartir sur un nouveau cycle haussier. Euh, nous sommes actuellement aussi dans une divergence haussière depuis longtemps. Nous sommes en weekly dans cette zone-là. Et la réponse qu'on enfin la question qu'on me pose souvent, je vais y répondre, c'est est-ce qu'on peut descendre plus bas Oui, 786. Qui est notre target, dans lequel 14 880 qui pourrait être intéressant de retester, voire même de breaker pour aller tester le top de la vague 1 à 14 000, ou le 1618 à 10 000, dans lequel nous avons un paquet de choses. Hein, le 1618 de prolongation d'extension de Fibonacci de la A sur la B. Nous avons la résistance mensuelle de Ichimoku, Nous avons un order block qui se trouve ici. Et un appel de prix fort, depuis déjà assez longtemps, et beaucoup, beaucoup de personnes pensent que nous allons aller à 10 000. Alors, on va zoomer ici pour rappeler où nous sommes rapidement. Donc, c'est une vue 4 heures pour avoir un petit peu de bruit de marché pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Nous avons une accumulation de week-off qui s'effectue de cette façon-là, avec un arrêt de latence baissière qui nous fait le selling climax. On retrace, on fait l'automatique rally. On va retester le point bas en faisant le secondary test, le ST. On va récupérer l'imbalance qui se trouvait ici. On prend les liquidités et on casse avec une use fondamentale forte. Ici, nous avons FTX avec la possibilité de faire un STB, donc un secondary test de phase B pour prendre les liquidités du selling climax. Généralement, le principe d'une accumulation week-off, je rappelle, c'est de renforcer les résistances et les supports pour aller récupérer les liquidités de façon haute et basse. Donc, il est aussi possible dans une accumulation de voir ici le SC, AR, ST, Prise de liquidité de la d'accord, donc on prend la liquidité, on prend la liquidité du SC, et ensuite on part, on reteste et on débarque. D'accord, donc ça aussi c'est possible dans une forme d'accumulation. Là actuellement on n'a pas vu de prise de liquidité au niveau de la il faut le garder en tête. Dans tous les cas, nous sommes actuellement dans cette phase-là de STB, phase qui a été très dure en termes de momentum sur lequel on a eu le crash quand même de FTX, euh, deuxième plus gros exchange en termes de volume, donc forcément on a eu quelque chose qui a été assez drastique, mais... Mais qui est somme toute assez contrôlé étant donné que nous sommes dans une phase de ranging depuis phase de ranging dans lequel on va analyser cette fois-ci en une heure voir ce qui se passe où nous avons aussi une accumulation de week off donc pour rappel nous sommes dans une accumulation d'accumulation d'accumulation et nous avons pareil le sc qui se trouve ici st STB, donc prise de liquidité. Prise de liquidité qui s'est faite sous une forme d'une mèche dans laquelle nous avons une réaction haussière. Avec, depuis la fin de cette réaction haussière, 1er décembre, début décembre, nous avons une zone de ranging qui correspond principalement à une zone de neutralité très forte au niveau du marché. Parce que nous attendons des news fondamentales qui arrivent aujourd'hui, demain et après-demain. Surtout aujourd'hui et demain. Dans lequel, je vous invite à regarder la vidéo de news où je vous ai tout expliqué. Mais nous avons... Les chiffres de l'inflation, nous avons la relevée des taux, nous avons le FOMC, la prise de parole de Powell et la BCE qui arrive sur cette semaine très très lourde et qui en même temps représente la dernière action de clôture annuelle qui va nous donner soit un go pour un Christmas rally, soit euh, du sang soit du sang, du sang. Ouais, il suffit que l'inflation ne soit pas euh, dans une continuité de baisse, mais dans un repique. Là, je peux vous assurer qu'on risque de casser fort sur les indices, dévisser sur les indices. Est-ce que ça va être le cas sur le BTC Pas forcément. Je pense qu'on ira retester potentiellement le STB, voire faire un spring si c'est le cas, avec une descente dans les 15 000 et un test des 15 000. Est-ce qu'on ira beaucoup, beaucoup plus bas pas forcément parce qu'on a quand même une, vraiment une résilience euh, des cryptos depuis un certain temps, que ce soit à la hausse ou à la baisse, au niveau des différents indices et ce qui est plutôt positif sur le monde des cryptos mais encore une fois on n'a pas besoin des indices pour dévisser, hein, on a nos propres schématiques à nous. Voilà, du FTX, du crypto, enfin du Terra Luna, euh, de du Celsius, du 3 ici. Voilà, tout ça, c'est du monde crypto dans lequel on a besoin de personne pour pouvoir dévisser. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis un certain temps, nous sommes dans des patterns de compression et euh, derrière de liquidation. On comprime, on liquide et on liquide dans l'autre sens. Pareil, on comprime, on liquide dans un sens, on liquide dans l'autre sens. Pareil, ici, on comprime, on casse baissier, on short squeeze. Je vous avais expliqué que notamment on allait certainement aller chercher l'imbalance, donc ça c'était vendredi. On est allé chercher euh, cet imbalance, on a même cassé très très fort l'imbalance, mais surtout quand on est arrivé ici, je vous avais dit que bon ben bah, on n'avait pas forcément beaucoup beaucoup de shorts et que par contre on avait beaucoup de liquidités qui se positionnaient ici et ici et ici aussi, d'accord Que ces liquidités là étaient quand même très très fortes au vu de la petitesse du mouvement. Bon, bah, ça va pas louper, on a fait un gros short squeeze dans lequel on a tapé directement dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de liquider massivement les personnes. Et ça, ce qui est très important, c'est que ce sont des mouvements qui sont propres à la crypto, d'accord Ce ne sont pas des mouvements que l'on retrouve sur du Nasdaq ou du S&P 500 actuellement. Donc c'est quelque chose qui est au sein de la crypto, et il faut bien bien comprendre ça, c'est quelque chose qui change beaucoup, euh, ça change vraiment le paradigme par rapport à ce qu'on a déjà pu connaître. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui, demain et après-demain Déjà, ce qu'on va attendre aujourd'hui, ça va être les chiffres de l'inflation. Très important. Ces chiffres-là vont déterminer le mouvement général du marché et l'impulsion sur l'année 2023. Il faut bien comprendre que euh, la Fed est réactionnaire à l'inflation. Si on a une inflation qui ne diminue pas, bon bah, ça veut dire que on va se remanger du taux sous une augmentation très forte, plus forte, on repart à 75 points, soit. Plus longtemps, et on va avoir du 0,5 ou du 0,25 ou du 0,75 pendant longtemps. Avant de pouvoir entamer une phase de euh, plateau, dans lequel on aura euh, les taux qui resteront plats, donc c'est-à-dire qu'on arrivera potentiellement à 5, voire 5,5, c'est un peu l'objectif que j'ai moi, euh, personnellement, depuis déjà un certain temps, hein, je vous l'explique euh, depuis très longtemps, mais c'est un objectif que j'ai moi, sur lequel, après on restera potentiellement 6 mois dessus, avant de pouvoir entamer la pivot, le pivot de la fête, dans lequel on aura une cassure baissière qui s'effectuera. Je vais pas rentrer dans la notion économique, on analysera certainement les chiffres demain de l'IPC Core, on analysera aussi le retour du FOMC, du FOMC plus tard, mais c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que là, actuellement, on va être dépendant de ces news fondamentales. Qui vont arriver. Techniquement, si on reprend euh, d'un point de vue purement chartiste, d'accord, on va arrêter le, le, la notion euh, de, de, de SMC pour l'instant, donc la notion de smart money pour l'instant. On reste sur du pur chartisme. Qu'est-ce que l'on voit actuellement On voit notamment une zone de ranging avec une polarité haute et basse, d'accord. Là, nous sommes en haut du ranging depuis un certain temps. Donc forcément, on a beaucoup de personnes qui se positionnent ici en short pour aller chercher le bas du range, d'accord, pour faire un rebond et repartir de cette façon-là. Là, les personnes essaient vraiment de se positionner en short sur du court terme. Je parle bien sur du court terme parce qu'on va aller voir l'order flow tout à l'heure. Mais l'order flow nous montre que majoritairement nous sommes en longue. Mais il faut prendre en considération que c'est une représentation de l'order flow sur l'ensemble des positions, donc sur l'ensemble des positions. On prend sur une haute target, d'accord, les personnes sont majoritairement longues, parce qu'on considère que ici nous sommes en train d'arriver dans une forme de bottom. Et c'est les positions générales qu'on retrouve euh, sur Binance. Et euh, par contre, sur du court terme, court terme, les personnes cherchent à aller faire un retest. D'accord Donc majoritairement, court terme, nous sommes en short, long terme, nous sommes en longue. Il faut prendre en considération ça. Donc forcément, quand on arrivera, et si on arrive et si on redescend bas euh, du, du canal, on aura ici. Énormément d'autres qui vont se construire. D'autant plus que majoritairement le marché aura tendance à euh, garder cette incentive allongée très fort. Donc, ça, c'est la première vision. Deuxième vision en termes de smart money et de gestion Wikofienne. Nous avons une distribution Wiki en cours, je vous l'ai présenté hier ici, sur lequel on peut attendre un UTAD, d'accord Donc, une dernière accélération haussière pour aller retester les 17 17600 17 600 qui correspondent on va se mettre ici pour bien le voir, 7600 qui correspond au SC qui s'est placé ici, d'accord qui est la chute de Terra Luna, euh, et de, 3, de la, la fin de continuité de Terra Luna, et donc qui s'est soldé par Celsius, et 3 ici. Donc on, on est vraiment dans cette schématique où potentiellement on pourrait avoir une dernière accélération très forte ici. Ce qui pourrait être le cas, notamment avec la volatilité très forte que l'on a dans les périodes d'annonce, on a toujours une volatilité très forte, donc ça pourrait être juste une mèche qui se fait ravaler instantanément pour descendre. C'est quelque chose que l'on voit très régulièrement, et je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité, parce qu'on a une compression de la volatilité depuis déjà un certain temps, depuis début décembre. C'est long, début décembre, d'avoir euh, un volume, une volatilité ultra comprimée comme on l'a là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur les différents indices, sur le Nasdaq ou le SP500. Là, on a quelque chose qui comprime l'appareil, on a quelque chose sur lequel on a une volatilité qui diminue. Donc, ça veut dire qu'on est en train de préparer un mouvement fort et il est possible qu'avec l'ouverture des marchés, on commence, alors que ce soit ici ou que ce soit au niveau de, de l'annonce des taux et au niveau de la minute FOMC, bon, à voir ce qui va se passer, mais dans tous les cas, on sait que ça va être très puissant et j'ai tendance à penser, et on va le voir dans Renderflow, que le mouvement risque d'être assez étrange. Alors. On va arriver sur order flow. Je vais juste euh, aussi pendant ce cet flow répondre à une question qu'on m'a posée sur le discord. Euh, on va en profiter. Donc la, la question en elle-même, elle est simple. C'est donc c'est pour ça que j'ai rajouté un indicateur en plus qui est euh, comment ça se fait que nous avons une divergence entre la totalité des comptes top traders, donc ici le, le ratio long short des top traders de la totalité des comptes, à euh, les positions des comptes. Et pourquoi moi j'utilise les positions bon, Ça je vous ai déjà expliqué les positions, je ne vais pas revenir dessus, mais pourquoi on a une divergence entre les deux Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que actuellement, il y a plus de comptes qui commencent à ouvrir des shorts, par contre la totalité des positions est majoritairement longue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les shorts qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cut leurs longues, mais qui ont ouvert des petits shorts, donc ça veut dire que leur compte passe short, majoritairement, et par contre, les positions longues, les grosses positions longues, sont en train soit d'être renforcées, ou soit les positions qui sont en train d'ouvrir sont plus importantes que les comptes. C'est ça, en fait, on a un compte qui est top trader, ok, mais s'il rentre avec une position, par exemple, de 1, bon, c'est ridicule par rapport à quelqu'un qui rentre sur une position de 1000. Donc, on va voir la notion de, 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 de position pour moi a plus d'impact sur les top traders, parce que ça veut dire que c'est le volume généré et le poids générés par les traders dans leur typologie de, de position. Par contre, c'est intéressant de noter que potentiellement ici on a des shorts qui sont en train de s'ouvrir, mais avec des positions faibles. Donc cette divergence nous dit quoi Nous dit que il y a une forme de hedging qui est en train de se faire en se disant, ok, bah potentiellement on peut descendre. Ok. Par contre, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que oui, on peut descendre, mais par contre ceux qui sont boules, sont vraiment très boules. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une notion de renforcement de position dans lequel on peut aller chercher. Beaucoup plus haut. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur l'ensemble des comptes, on a les comptes total Binance qui sont sur une forme de contraction, quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Et à côté, on a notamment une accélération aussi au niveau des positions, donc des renforcements longs qui sont en train de se faire. Donc potentiellement, on pourrait avoir sa dernière accélération très forte qui pourrait être effectuée. C'est un petit peu l'idée. Moi, ce qui est vraiment important à noter, c'est que on a toujours un open interest qui est à plat d'accord? On a toujours un open interest qui est à plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est principalement sur une non-tendance. On est sur quelque chose dans lequel on n'a pas de mouvement acté. On est dans une neutralité. Si on avait une montée de l'open interest pour aller retester les 140, je dirais qu'on avait quelque chose qui était en train de se préparer. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, on voit quelque chose aussi. C'est qu'on a les deux CVD qui sont en train de pousser le spot et le perp. D'accord? Perp étant le futur, donc à levier. On voit que les deux sont en train d'augmenter donc ça veut dire c'est plutôt positif ça veut dire qu'on est en train en effet de construire des longues majoritairement et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir aussi sur les clusters de liquidité parce que j'en ai pas parlé on va revenir en arrière les clusters de liquidité bah qu'est ce qui se passe <laughs> ce qui se passe c'est que euh, majoritairement ici on retrouve encore et encore des shorts qui sont en train d'avancer et de se positionner, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, et on a très peu de longues, on a un tout petit peu de longs, mais vraiment très très peu, avec des longues qui se positionnent un petit peu ici, en dessous en fait de ce lot là, on a quasiment plus de longs qui se trouvent ici, avant on en avait. Donc en fait, l'incentive à descendre, elle est assez faible. D'accord? Elle est assez faible, il faut vraiment quelque chose qui soit très très fort, donc une news très fondamentale très très forte pour pouvoir nous pousser à la baisse. Donc c'est aussi une des raisons, peut-être, sur lequel on voit un renforcement des longues des top traders. C'est on considère qu'on va arriver en effet sur un taux d'inflation euh, qui va baisser, chose que quand on regarde un petit peu les, les prix à différentes matières premières, qui représentent quand même quelque chose qui est assez fort, quand on regarde euh, l'ensemble en, de l'économie générale et qu'on compare à décembre dernier, on peut se dire qu'il y a des chances, des fortes probabilités, qu'en effet l'IPC Core diminue. Alors, je rappelle l'IPC Core c'est encore quelque chose qui est à part, on retire pas mal de vecteurs, mais... Quand on regarde, quand on compare déjà à décembre, on dit qu'en effet, l'IPC Core peut diminuer par rapport à euh, même le chiffre qui est euh, euh, pricé, d'accord Est encore plus bas. Donc ça veut dire qu'on peut avoir quelque chose qui pousse. Il y a assez peu de probabilités d'avoir un IPC Core qui monte et d'avoir un mouvement baissier. Mais ça reste encore une fois des statistiques, d'accord C'est quelque chose qui est en train de se pricer, qui a été pricé, sur lequel on a quelque chose qui est assez fort. Et on le voit aussi quand on regarde au niveau du Nasdaq, on a eu hier une très très bonne journée, on a eu une très 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 bonne journée, dans laquelle on est en train de se dire que potentiellement, oui, on peut aller retester la partie haute, les 12 000 sur le Nasdaq, sur le SP500, on peut aller retester ici les 4080, dans lequel on peut aller retester les tops qui ont été effectués. Et même si on a break ici des petits lots, on n'a pas break solo là, et on est toujours même, je dirais, dans une zone de neutralité qui attend les nouvelles de cette semaine, qui attend les nouvelles d'aujourd'hui. Parce que la nouvelle de demain dépendra de la nouvelle d'aujourd'hui même si on a déjà eu une annonce de 0,5, bon, ça n'empêche que euh, je pense que l'IPC Core va déterminer beaucoup de choses, donc on peut avoir des surprises, donc il faut impérativement, ici, surveiller ce qui va se passer, et je pense que le marché américain attend ce moment-là pour faire soit un Christmas Rally, soit commencer à s'enfoncer pour janvier, février, mars, et euh, commencer à avoir une petite pousse, une petite graine qui va éclore en avril, mai, juin, pour repartir à la hausse, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ici on a des mouvements qui sont effectués en dehors du fait que euh, d'avoir un mouvement du DXY. Le DXY en lui-même ne bouge pas ou très peu, d'accord, contrairement à ce que l'on peut avoir sur le SP500 ou le Nasdaq. Donc ça veut dire que c'est vraiment les marchés financiers américains qui pousse là sans avoir de corrélation au niveau du DXY et c'est je pense important moi de mon côté et c'est je pense euh, en fonction des, des nouvelles qu'on risque d'avoir un DXY qui va encore une fois décrocher donc qui risque de chuter si jamais l'IPC le, le Core est positif dans lequel on aura un vecteur d'accélération parce que là on est déjà plutôt positif au niveau des marchés US. Hein. Donc, si jamais on a le XY qui décroche avec euh, derrière euh, ce sentiment un petit peu bullish que l'on a sur les marchés financiers, bon, bah, le Christmas rally il est vraiment pas loin et on pourrait même aller chercher euh, des targets beaucoup plus hautes au niveau du S&P 500 et du Nasdaq. Bon, encore une fois, le problème c'est le BTC. Le BTC, ce qui pourrait être intéressant, c'est continuer à faire un short squeeze. Pourquoi pas Donc, pourquoi pas aller retester là on a créé de l'imbalance, aller à retester ici pour pouvoir repartir à la hausse. C'est quelque chose qui me semble logique, mais dans tous les cas, il va falloir juste patienter. Et encore une fois, on va avoir énormément de volatilité avec l'annonce, avant l'annonce, pendant l'annonce et après l'annonce, avant d'avoir un sens et une direction. Donc faites attention à vos positions et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu. Avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.